5-3057, ok, parfait. C'est ça, ouais. Bah, allez, j'enregistre. Bonjour, monsieur. Hola. Bonjour, monsieur. Il y a une guitare qui est par terre, là. Oui, c'est la mienne, monsieur, c'est la mienne. Putain, c'est Kiwi. Mais pourquoi elle est par terre? Bah, parce que je l'ai posée le temps de prendre le numéro de monsieur, là. Mais après, si vous voulez, je vous joue un morceau. Hein. Vous êtes un musicien de rue? Bah, ouais, parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé grand chose où jouer, donc ouais, je suis un musicien de rue. Hein. Ah, ok. Mais vous prenez pas soin de votre instrument, là? Ah, bah, il faut bien que je le pose quelque part pour l'instant. En plus, cet instrument, il est un peu bizarre. Pour l'instant, je peux jouer que certains accords. Avec, donc j'espère qu'ils vont ouvrir des boutiques sympas pour faire de la musique. Ah, ok. Vous êtes qui, monsieur? Excusez-moi. Moi, je suis Emmanuel Hakal. Emmanuel, d'accord. Les plus grands pilotes de taxi de toute la ville. Et vous, c'est quoi votre nom? Bellamy. Je viens d'arriver en ville. Je suis musicien. Ah, vous êtes pas un musicien du groupe Q's? Ah, j'y suis passé, mais j'ai jamais été célèbre parce que j'ai fait que des essais là-bas et j'ai jamais réussi à rester. Ah, oui, ok. Moi, j'aimais beaucoup Q's. C'était vraiment bien. Ça ressemble un peu à Mouin. Mais je préfère Q's. Mouin, je sais pas, j'ai pas trop écouté. Par contre, Q's, c'est pas mal. Et vous, monsieur, vous êtes qui? Bah, moi, c'est monsieur Gibson. Ah oui, j'étais pas sûr parce que d'habitude, vous êtes habillé comme un garagiste, mais là, vous avez presque la classe. Je sais pas comment je vais le prendre. Bah, c'est bien, c'est joli, vous êtes bien habillé, c'est tout. Ah, bah, merci, c'est gentil. Et dites voir, monsieur Manuel Raka, vu que vous travaillez dans les taxis, moi, j'ai une deuxième fonction que je fais en petit job. J'étais chauffeur privé avant et disons que quand il y a besoin de faire de délivraison et ce genre de choses, je suis plutôt doué, quoi. Si jamais par chez vous, vous avez besoin de faire des livraisons ou ce genre de choses, de prendre des gens de manière ponctuelle, bah, n'hésitez pas à faire appel à moi, quoi. Moi, je cherche du travail. Hein. Ah, bah écoutez, moi, je peux pas gérer ça, c'est le patron et je sais pas, je crois pas qu'il sera là ce soir, mais au pire, souvent, il met des annonces comme quoi il cherche des gens, donc surveillez bien le site internet. Hein. Ah, ok. Parce que bon, taxi, j'ai déjà fait, ça me botte pas les masses, mais par contre, de la livraison, ouais, bah, écoutez, on sait jamais. Ouais. Des petits colis à livrer, je peux faire ça pour lui, quoi. Si, ok, je lui dirai. Mais on ne fait pas trop dans la livraison de non-humains, je crois, pour le moment. Après, peut-être le patron, il a des trucs, mais moi, je sais pas. D'accord, ok. Bon, bah voilà, je fais passer le mot un peu partout, parce qu'il faut bien, voilà, je viens d'arriver, quelque chose, quoi. Eh ouais, bien sûr. Bah, vous pouvez faire comme tout le monde, aller travailler dans les poubelles, hein. Ouais, bah, c'est ce que je fais déjà, mais bon, ouais, c'est pour me nourrir, quoi, en attendant. Ah, c'est un peu de la merde, oui. Ouais, c'est vraiment de la merde, ouais. Bah, écoutez, je dois vous laisser, j'ai mon service à prendre, mais à bientôt, hein. À bientôt. Ok, à bientôt. Bon. Bon, ah, voici monsieur Gibson. Monsieur Gibson, il y avait pas une soirée promotion au garage hier? Il y avait pas monsieur Zach qui avait dit qu'il ferait des promos sur les modifications, non? Alors là, moi hier, si vous voulez savoir, j'étais à l'hôpital, donc j'ai... Oh là là! Je saurais pas vous dire. Hein. Tant pis. Merci quand même. Pas de soucis, bon courage. Toc toc toc, y'a quelqu'un ici ou quoi? Tiens, 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 la police, elle a cassé la voiture. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, je peux vous aider? Oui, bien sûr. C'est vous qui faites des modifications sur les voitures? Ouais. Ok, je viens pour un devis. Allez, c'est parti, c'est pour quel type de customisation? Ah, c'est un magnifique bolide, vous allez voir, il est juste devant la grille. Aïe, 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 regardez-moi ça. Là. Il est beau, magnifique, hein? Magnifique, sublime. Je voulais voir un peu combien ça coûtait pour faire tenter les vitres et éventuellement modifier les moteurs, la transmission, savoir un peu ce qu'on pouvait changer, quoi. Ouais, je vous dire ça. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Damn right. Toujours aussi rapide, mon patron. Ah, il est très doué, très doué. Et voilà. Ok, je vais regarder ça. Merci, monsieur Zach. Tenez-moi au courant. Ouais, je vous dirai ça. Ça marche. Fait, t'as bien fait, au moins 3 tout ce soir. Putain, le poteau. T'as même pas les couilles du poteau, cogno. Il avait rien à foutre là, hein. Oh là, les gars. Tout écoute. Ok, je refais vite fait du début. Ouais, au début parce qu'on m'invite pas, on m'explique rien, forcément. Oui, bah je savais pas, moi, je sais rien. Tout mon gueule, c'est pas Est-ce qu'on savait que t'étais en ville, non? Bah si, je l'ai appelé tout à l'heure. Oh. Oui, bah putain, oui, c'est vrai, t'avais prévenu. Oh là là. T'as appelé Jelly, pas ni moi ni moi. Ouais, voilà, bah, donc tout ferme dans ta gueule, tout écoute mon histoire. J'aurais dû appeler les gens qui pensent à moi, qui me considèrent comme des vrais êtres humains, pas des gens qui m'ont déjà oublié alors qu'on a 10 ans d'amitié derrière. Ils te sous la bite, je croyais. C'est moi qui les sous la bite. Ok, bah je croyais que vous étiez intime, voilà, c'est pour ça. Bon bref, j'étais dans un tunnel des métros là pour les travaux et je cherchais un vendeur éventuellement par là. Je suis sorti du canal, il y avait personne. Merci beaucoup. Je vais faire le début du canal, je vois rien, je me retourne et là pouf, une voiture avec un gars dedans. Donc je croyais que c'était un gars qui était habillé comme nous, enfin normalement constitué, et il s'avère que c'est un concitoyen. Et en fait, je vais pour lui péter la gueule, il se barre et tant mieux, comme ça je lui fais pas mal. Et là putain, il y a 59 qui déboule et qui est à la
limite de me taser, nanani, nanana. Et moi, j'avais peur que ça soit un mec comme nous qui se soit barré, tu vois, qui soit pris une sieste et qui se soit barré. Alors du coup, j'ai voulu appeler le gouvernement et 59, il m'a dit, ok, vous réglez vos trucs avec le gouvernement et vous venez à la police après. Et du coup, j'ai réglé le truc avec le gouvernement, donc c'était bien un citoyen. Et finalement, je vais voir 59 et il me dit, alors, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui dis que j'avais perdu mon chat qui est blanc et roux, qui s'appelle Manuel et qui arrête pas de se lécher les couilles. Et il m'a dit qu'il ferait l'effort de chercher le chat. Voilà, mais comme ça, il sait pas. Mais attends, putain. Manuel, qui se lâche les couilles, c'est ça? Manuel, E2LE à la fin. Donc c'est pas toi, donc calme-toi. Et il est roux, putain de merde. Donc bref, Et de quelle origine ton chat? La frontière par loin du Mexique. Il a un petit accent de dep, tu vois. Enfin bref. Et du coup, attends. Du coup, je pense que Louis se doute d'un truc, mais je l'ai bien baratiné. Donc il faudra se méfier de lui. Mais j'ai essayé de faire comme je pouvais. Je maîtrisais pas toute la situation. D'accord, mais du coup, faudra se méfier de quoi, pourquoi, pour qui? Faudra se méfier de 59, parce que je pense qu'il a à moitié cru à cette histoire, tu vois, quand même. Ok, mais toi, là-bas, tu faisais quoi, en fait, à part tabasser un mec? Bah, tu vois que tu vas pas écouter le début de l'histoire, putain de merde. Tu cherches un vendeur, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, mais qu'est-ce qu'il va faire, 59? Il a rien sur toi, t'as juste agressé quelqu'un. Non, il a rien sur moi, il a pas fouillé, et j'avais de l'argent sale sur moi. C'est surtout ça. Et pourquoi tu te balades avec de l'argent sale? Eh bah, parce que je sais pas où le revendre, cet argent sale. Eh bah, tu nous le donnes, et nous, on le met dans le coffre de la boîte, non? Et on peut pas le faire, c'est pour ça. Okay. Ah, bah, tu le mets dans le coffre de ta voiture? On peut pas le faire non plus. Ok, c'est vraiment de la merde. Oui, c'est la merde, parce que je me balade avec 10 000 dollars d'argent sale depuis tout à l'heure, là. C'est relou. Enfin, du coup, Mo, il a 2 000 dollars, un truc comme ça. Ouais. Monsieur Rosso, il a 1 500, et moi, j'ai le reste sur moi. Donc, si tu veux une part, il n'y a pas de souci. Non, il veut pas une part, mais comment vous avez fait cet argent d'ailleurs? Bah, c'est avec Louviande. Ok, et ça marche bien, Louviande? Ah, Louviande, ça marche bien, putain de merde, mais le problème, c'est qu'un braquage. Ah, putain, ça, c'est sûr. Et 1 kilo, c'est 50 dollars. Tu peux transporter, je pense, une cinquantaine de kilos sur toi. Donc 50 fois 50, je te laisse faire les comptes. Si tu fais des runs assez rapides, c'est à côté. C'est worth, hein. Ça vaut le coup. Ça vaut grave le coup, putain de merde. Mais il faut qu'on blanchisse ce putain d'argent, okay. Sinon ça sert à rien. Et on a rien pour le faire. On sait pas. Apparemment, c'est un gars qui se balade dans la ville ou j'en sais rien. Et c'est gros, c'est casse-couille. Il existait sur. Apparemment, la mairie nous a retrouvé. Putain, mais c'est pas vrai. Donc c'est là que t'as vu la dernière photo. Putain de chat, ton putain de chat. Mais oui, il est là. Moi j'ai peur qu'il vienne par là, du coup. Moi j'ai peur qu'il se noie, le chat. Bon écoutez, monsieur. Comment ton chat a pu se retrouver là déjà? Monsieur Mo, vous pouvez me régler la facture pour que je vous ai amené ici, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je vous fais la facture, monsieur Mo. Ça va bien. Et je veux tout vous dire, c'est une équipe que je suis en train de monter. Je leur ai tout avoué pour le chat. Il fallait que je leur dise, putain de merde. Bon, je passe pour une gros dep, ça c'était sûr, je vous l'avais dit. Mais du coup, il faut qu'on cherche le chat. Je vous avoue, quand un employé m'appelle en me disant de graves problèmes. Vous m'avez appelé pour ça. Mais oui. Vous m'appelez pour me dire que vous avez de gros problèmes, que vous êtes perdu. Et vous faites des factures entre vous, les taxis? Bah, je viens de le déposer, oui, il avait besoin de venir ici. Bah, je suis pas en service, donc forcément, ouais. Bon, ça, je suis co-directeur, on a de nos responsabilités aussi. Vous avez une réduction, moi. Il fait payer plus cher. Putain, c'est connard. Monsieur Bourbon, je me pose une question, qu'est-ce que vous faites ici? Je patrouille. Ah, vous patrouillez au niveau de la route du barrage? Voilà. Ah oui, alors qu'il y a des gens qui sont en train d'agresser dans les coins de la ville, au centre-ville, vous patrouillez du côté du garage. Ah bon, vrai. Barrage. Vous êtes au courant qu'il y a des agressions dans les coins de la ville? Vous êtes au courant qu'à peu près tous les patrons, dont les patrons des taxis, moi-même et le patron du... Bah regardez, la preuve, je patrouille bien, je vous croise ici. Du Béniz. Je surveille. Oui, mais je pense que c'est mieux de surveiller et de chercher ceux qui agressent plutôt que ceux qui se font agresser, non? Ah, bah souvent, les agressés peuvent être agresseurs aussi. Ah, bah oui, ça se voit, on a des têtes de méchants, dis donc. on cherche une putain de chat. Écoutez, les gars, on cherche une putain de chat. Donc, est-ce que vous voulez en être? Est-ce que monsieur Boer, vous voulez en être? Ou alors, vous avez. La brigade de recherche de chat, hein? Ah, oui, putain. Comme vos collègues viennent de dire, moi je dois chercher les méchants. Vous avez d'autres chats à fouetter, si je peux me permettre? Votre chat a fouetté, vous avez tout compris. Par contre, il faudra juste reculer le véhicule, parce que si un véhicule genre qui va passer en vitesse, il va gêner. Vous pouvez garer comme une merde. Ouais, en même temps, je suis pas garé, je déposais monsieur Mo. Voilà, je peux vous mentir que je voulais juste passer ici, faire le tour et rattraper l'autoroute. Et ben, hop, c'est parti. Attendez, je vais dégager la route. Et bonne soirée, monsieur. Et vous en parlez pas trop à vos collègues pour le chat, s'il vous plaît. Bonne soirée à vous, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, du coup, la coque. C'est rigolo ce qu'on vient de dire.
français. À bientôt, monsieur Bourg. Bonne soirée. Yo, des putes. Ouais, faudra pas rester là 100 ans non plus. Et qu'est-ce que vous faites là maintenant? Bon, en attendant, vu qu'il nous a vu là, qu'on va pas rester là 5 ans parce qu'il doit nous servir. Manuel, t'es venu en taxi, que tu vas déposer, il vaut mieux que tu retournes faire semblant de bosser. Ouais. Ou bosser si tu veux. Si, si. Moi et Rosson, on va aller fouiller de notre côté. Et Jali, bah, si t'as envie d'aller fouiller avec Manuel ou fouiller tout seul. Tu sais quoi, vas-y, retrouve-moi au dépôt, Jali. Je dépose le taxi, on y va. Ok, ça marche. Voilà. Allez, vamos. Allez, messieurs. Passe à l'épicerie d'abord. Passe à une épicerie. J'arrive. Alors, tiens, voilà, ok. Madame, je voudrais vous acheter ces petits émetteurs radio, s'il vous plaît. $40, si, tenez, voilà. Tiens, Jay, prends, c'est quoi? Prends cette radio. Ok. Ok, on se met sur cette fréquence et on se retrouve dessus, ok? Ok, vas-y, envoie-moi tout ça. Tout le monde dépose là, moi je fais la partie à droite. Tu peux te garer par ici, ouais, comme tu veux. Et puis voilà, à tout à l'heure. Au revoir. Bon courage. Oui, toi aussi. Ande, ande, ici Emmanuel, tu me reçois? Oui, je te reçois. Je suis en opération, personne ne m'a repéré, je te rappelle. D'accord, oui, sûr, il faut se donner des noms de code. Ok, toi tu seras puta. Non. Et si, et moi je serai madré. Je veux pas ça, moi je veux pas être une puta. Mais pourquoi? C'est vachement bien être une puta. Non, être une puta c'est nul. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as déjà été une puta? Ça veut dire quoi une puta? Ça veut dire c'est comme une purée de pommes de terre par exemple, mais c'est pas tout à fait pareil. Et du coup, il y a quoi dedans? Il y a quoi qui change? Du foutre. Du foutre? Oui, du foutre. C'est quoi du foutre? C'est comme le Brésil, il joue beaucoup au foutre. Ah, du coup, il y a du foutre dans la purée? Oui, c'est ça. Oh, c'est un concept bizarre quand même. Hein. Tu sais pas, tu connais pas. Tu peux pas juger. Je juge pas, mais j'ai pas envie. Je trouve que c'est trop dep. C'est trop dep? Parce que toi, tu es pas dep. Oh, écoute, est-ce que c'est moi qui ai soucié la bite d'un pote? J'ai pas soucié sa bite, putain. Vous faites chier avec cette histoire. Je l'ai pas soucié, ok? Elle a pas soucié. Oh. Non, elle a pas soucié. Oh. Et je crois en plus qu'il a aimé ça. Mais bagalao, je l'ai pas soucié. Bagalao, oh. Si, je crois que tu l'as soucié comme il faut. Non, il est pas soucié, moi, ok? Ah, mais si, une putain, si, si, je vois, je crois savoir. T'as compris, putain, qu'est-ce que c'est? Ouais, ouais, c'est comme ta mère, en gros. C'est marrant, je t'attendais pas du tout avec cette vanne. C'est rigolo. Rigolo ouais, parce que tu as exactement le même humour de merde que ta poudre de mer. Ah d'accord. Ok. Ah, tu fermes ta gueule là. Hein. Ouais. Là on parle de la maman, tu fermes ta grande gueule. Hein. Ouais, je vais tout goumer comme on dit ici. Moi tu vas me goumer? Oui, je vais tout goumer, oui. Écoute-moi bien, égoua de puta. Tu vois tes pieds, ils vont plus toucher le sol jusqu'à l'hôpital, espèce de putain de merde, ah, ouais de pute. Eh, tu sais quoi? Eh non, je m'en bats les couilles. Eh, ta mère, quand elle monte sur la balance, c'est son numéro de téléphone qui s'affiche. Ok, eh ben ta mère elle est tellement grosse que il y a une décalage entre ses deux fesses. C'est marrant, tu la répètes à chaque fois celle-là. Ouais, elle fait toujours rire, donc tout ferme ta gueule. Tu sais que ta mère elle est tellement grosse qu'elle fait partie de la liste des suspects pour le dernier tremblement de terre qu'il y a eu à Chartres. À Chartres? À Chartres. C'est pas le nom de ville le plus simple du monde. Hein. Ta mère elle est tellement grosse que quand elle passe devant la télé, tu rates la saison 1. Très très marrant ça, j'ai rigolé. Toi aussi ça arrête de se faire rigoler, fils de pute. Ta mère elle est tellement grosse qu'il faut la pokéflûte pour la réveiller. Ta mère elle est tellement grosse que Thanos il a dû claquer des doigts deux fois. Ta mère elle est tellement radine que quand elle vomit elle serre les dents pour garder les morceaux. Et ta mère elle est tellement grosse pour la voix sans zoom sous Google Earth. C'est marrant ça. Ta mère elle est tellement grosse qu'elle a décroché le rôle de la grosse pierre roulante dans le casting de Indiana Jones. Bon bah écoute, on a fait tout ce quartier, c'est bien, c'était marrant, on a bien rigolé. Hein. Ouais, c'était super, c'est une super bonne ambiance en tout cas. Pff, ta mère est tellement grosse que quand elle s'allonge sur la plage, il y a Greenpeace qui arrive pour la remettre à l'eau. Qu'est-ce qu'on va se faire? Est-ce qu'on se fait tous les containers? Ah, si tout, oui. Ouais, on tout. Y va, c'est bon, c'est bah bon. Oui, on y va, moi j'attends que ça, hein. Oh. Il y a un bateau de l'armée. T'es sérieux? Bien sûr, ok. J'arrive. Ah, le porte-avions là-bas, oui. Oui, vous le connaissez? Non, pas du tout, mais c'est un porte-avions, oui. Et tu crois qu'on peut aller le visiter? Je pense qu'il est très très loin. Il y a un autre bateau qui n'y était pas avant. Ah oui? Et qui se trouve, tu sais, il y a une yacht près de la fête foraine. Oui. Et quand tu continues vers le nord, pas loin de Paleto, un petit peu avant Paleto, il y a un bateau dans l'eau. Et après, il y a le bateau des nouveaux arrivants. Ah oui? Oui. Mais il faudrait y aller? Mais j'y suis allé, mais il n'y avait rien du tout. Ah ok. Sinon, on peut péter un hélico, hein. Tu sais, moi je sais piloter les hélicos. Hein. Ah, si tu veux, on va à l'aéroport, on essaye de péter un hélico. Hein. Et ben vas-y, on va récupérer la voiture et puis on va aller chercher. Oh merde, l'hélico il est parti. Oh. Oh. Il n'y en a pas d'autres ici? Non, je crois pas. Je vais voir. Mais c'est sûr, hein, il n'y en a pas d'autres. Oh, elle le ramène.
C'est Jésus qui rappelle les morts, il l'a ressuscité. Vite. Attends, non, pas vite. T'es sérieux? Oui, je vais manger une tôle, c'est pas grave. Oui, sors de ton cou là. Non, pas du tout. Oh putain de merde. Ça va. Ok. On peut pas ouvrir les fenêtres parce que là je suis en train de lâcher des caisses. Donc tout c'est le yacht qui est devant là? Alors c'est pas lui, il y a rien du tout. Ah oui? Et l'autre non plus, il y a rien du tout. Par contre, il y a un bateau de l'armée derrière nous. Ah, tu veux qu'on aille voir le bateau de l'armée? Peut-être, il faut voir si on peut y arriver. Eh oui, c'est un porte-avions de l'armée ça. Il y a quand même des batteries anti-aériens. Ah, ils nous auraient déjà tiré dessus. Bah oui, on aurait déjà des missiles au cou. Hein. Bon bah vas-y, pose-toi, on verra bien. Il est peut-être abandonné. Hein. Et ça se trouve, on peut le piloter, tu penses? Non? Vas-y, va tu voir, je t'attends. Dedans, vas-y. Dedans, okay. C'est Mo qui m'appelle. Vas-y, réponds. Ouais, alors. Ok, Quentin, c'est Mo, il a été coincé. Ah ouais? Ouais, il m'envoie les coordonnées GPS, il faut qu'on aille voir. Bah reviens vite, hein, mais on y va en hélico. Je sais pas où c'est la sortie, c'est une putain de labyrinthe, ton truc de merde. On y va en hélico, cherchez-moi. Ah bah oui, c'est rigolo. Oh là, on va se faire. Dépêche-toi, le temps il est pas bon là. Oui, t'inquiète. Y'a les coordonnées? Oui, j'ai les coordonnées, je vais mettre le point sur le GPS. Ok, je l'ai où. Essaye de m'opposer, je vais les récupérer, d'accord? Ok. Traîne pas, je reste pas longtemps ici. Les parts qui vont toucher. Non, t'inquiète. Oui, t'es sûr? Putain de merde. Ok, vous me dépêchez. Ok, bon, je démarre. Hein. Allez, venez, les gars, venez. Ils vont brûler avec un hélicoptère, putain. Qu'est-ce que tu fous dans un putain d'hélico? Puis quand vous posez pas la question, putain, c'est mon ancien pilote. Vous mettez vos masques tout de suite. Attends, putain de merde. Il était pilote privé au Mexique, tu crois quoi, enculé? Allez, toi, tu te concentres sur ton pilotage et nous, on se bardera. On est perdu. Putain, on voit rien, mais c'est pas. On est en l'air et on est perdu. Mais toi, vu les conditions météo aussi, cognon. Il y a des ponts. Oui, il y a des gros ponts ici par là. Hein. Y a surtout parachutes. Des pylônes. Oh là là. Il y a des pylônes. J'ai plus le contrôle. Oh putain. Il y a plus le contrôle. Oh les gars. Putain. Bon, ça va ou quoi? Oh putain, Manu. Putain, on a plus de vêtements. Il est où, Rosso? Il est là, Rosso, putain. Oh là là, Rosso, ça va? Ah, ça brûle. Putain. Il faut qu'on se casse d'ici, les gars. Il faut qu'on sorte d'ici. Moi, tu te souviens? Sur l'hélico, sur le toit, il y a mon hélico. Non, je déconne. Venez, on va sortir par derrière. Attendez, venez discrètement. Ah, putain. Ah, ma jambe, putain. Ah. Je crois qu'on est suivi. Oui, Rosso, il dit qu'on est suivi. Vas-y, viens. Ouais, j'ai vu, vite. Oh, la belle bagnole, putain. Et là, y'a pas un taxi qui travaille, je suis sûr, hein. Ah bah non. Cogno, putain. Ah ouais, attendez, je vais chercher une bagnole, ok? De quoi? J'ai pas mal à la jambe, je vais chercher une bagnole. Oui. Ashley qui me suit, putain. Vite, il nous faut une bagnole, y'a pas une bagnole à 4 places. Non. Ah là là, je l'ai tout m'a pas vu. Tout m'a pas vu, c'est pas moi. Il est où le béret? Je sais pas, roule. Ok, j'ai envoyé un message à Jalali, il est à l'hôpital. Du coup, on va à l'hôpital, on se gare, vous inquiétez pas, je connais un chemin. On va se garer, on va faire comme si de rien n'était, et on va se faire soigner, ok? Ok. Ouais. La prochaine fois, vous voulez faire de l'hôpital, assurez-vous qu'il n'y a personne devant. Bah ouais, on a voulu faire ça un peu rapidement, allez hop, on descend. Oh, j'ai mal à mon genou, moi, je sais pas toi, mais poulolo, ça fait du bobo, hein. C'est pas au pilote. Bon. On est d'accord, c'est à cause de feux d'artifice. Ici, un feu d'artifice. Les gars, c'était où? Où est-ce qu'on a fait ça? Dans le Mont Chiliad. Le Mont Chiliad, ok. Ah, mais tu es vraiment con, Rosso. Tu croyais vraiment que ça allait faire des étincelles, ton truc, là? Bah, qu'on le veuille ou non, ça en a fait, hein. Ah, bah ça, oui, ça a fait des étincelles, mais dis donc, normalement, c'est un spectacle, putain, non? Ça va projeter à 100 mètres. Ça t'apprendra à te coller aussi près. Ah, ouais, mais souvent, hein, j'ai souvent mal à mes côtes maintenant, moi. Ouais, bah, te plains pas, moi, je me suis brûlé entre jambes. Et ah je dis ouais. Rien. Et on peut dire que tu as une chaude de la bite?
Est-ce qu'il y a un médecin, s'il vous plaît? Bonjour. C'est les trois mecs à poil de tout à l'heure. Bah... Excusez-nous d'être partis, alors, mais non, bon... n'était pas tout nu. Non, ça, vous étiez peu vêtu. Sans caleçon pour ma part. Hein. Comment vous expliquer? On était sur le Mont Chiliad en train de tester des feux d'artifice quand Mo, ici présent, a laissé tomber sa clope sur la mèche, sauf qu'on était encore à côté. Putain. Du coup, on vous passe les détails. Vous êtes pas très doué, messieurs. Eh ben, vous allez qu'à aller faire, vous, les feux d'artifice, madame Ashley, plutôt que nous dire qu'on n'est pas très doué. Oh. Ashley, tu peux t'en occuper. Enfin, débuter t'en occuper, je m'occupe de monsieur Mokdar et j'arrive. Ok, super. Bon, bah, qui veut commencer? Bah, celui qui voulait un massage de couilles, je crois qu'il voulait passer en premier. Hein. Allez, génial, ça va être pour moi. Bon, après, pour vous autres, les brûlures, c'est à quel niveau? Je sais pas, quels sont vos domaines de compétences, madame Ashley? Oh, bah, j'ai beaucoup de domaines de compétences. Oh là là, j'ai très très mal partout. Oh là, ça dérive. Oh là là, ça brûle beaucoup. Oui, oui, oui. Cette situation est par contre, extrêmement gênante. Duncan, fais gaffe parce que Manuel, il préfère les hommes. Ouais. Ah, ça, c'est faux, c'est faux. Ah, bah, c'est faux. Il en faut pour les arrêter. Bah, je vais faire mes Google. Il pourra s'occuper de vous. Et arrêtez de dire je suis pédé, je suis pas pédé, ok? Moi, pédé, plutôt me faire enculer, ok? Bah, ça revient en même, tiens. Mo, arrête de me reprendre, je vais te prendre un extincteur et ça va pas te faire bizarre, ça va pas t'éteindre le feu, hein? Oui, bah, si c'est mon extincteur, tu vas essayer de prendre, tu peux éviter, s'il te plaît. Par contre, je crois Manuel qui a dit que t'étais con. Hein. Qui a dit quoi? Bah, bah. Le clodo qui joue de la musique là? Se faire exploser. Y'a un problème? Quoi? Moi, je suis con? Eh, hey, tu te fais exploser 5 kilos de feu d'artifice dans le cul à partir d'un moment, bon. Eh, hey, c'est à cause de lui là, c'est à cause de lui qu'a fait sa clope, c'est pas moi, ok? Tu dis pas je suis con, ok? Tout excuse. Hein? Quoi, je m'excuserai. Tu ça dis va, pas. Oh putain, je vais le démarrer. Hein. je vais le démarrer lui. C'est énervé dans la vie comme mec. Eh, hey, il se fout de ma gueule, on est d'accord? Moi, je vais le démarrer. Eh, hey, écoute-moi bien, Bob Dylan, tout excuse. Tu as dit je suis con. Bah, je pense qu'il y avait de bonnes raisons de se foutre de votre gueule, non? Quand on se fait péter le cul avec 5 kilos de feu d'artifice. Moi, je vais lui casser la gueule. Je te le dis, je vais lui casser la gueule. Fais-le. Ok. Eh, hey, me pète pas la gueule, calme-toi. Ah, par contre, Manuel. Toi, enculé. Calme-toi. Tu dis pas les choses comme ça, ok? Je suis pas un con, tout excuse ou tout te casse. Quoi? Calme-le, tenez-le en laisse, notre chien. Eh, y'a pas le chien ici, tu m'entends, cogné, on va. Ah, ça, c'est pas. Oh, il a fait. Oh, il a fait. Tu aurais une bonne raison d'être à l'hôpital. Arrête, mais c'est lui, il a frappé, monsieur Rousseau. Il m'a sauté dessus, il m'a tapé dessus, cet abruti. Il y a un témoin, il m'a sauté dessus. Ah, comme si je pouvais sauter sur les gens, qui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux avoir... Monsieur Rousseau, vous avez un chewing-gum, monsieur Rousseau, regardez. Dehors des chewing-gums. Hein. Regardez, monsieur Rousseau, il saigne de la bouche. Monsieur Rousseau, il s'est intercalé entre nous deux au moment où je voulais mettre une patate au guignol qui a commencé à me taper. Ah, voilà, vous vouliez mettre une patate, bah ça, c'est pas très malin dans un hôpital. Vous l'avez tapé, Emmanuel. Il y a un témoin, il m'a mis une grosse patate pendant que j'étais assis, en plus une grosse patate, j'ai très très mal, oui, arrête un peu. Cherche encore. Mais, hey, calmez-vous, je vous calme. Oh, dis donc, Ashley, je veux voir ça. Faut pas énerver, Ashley, grand cul. Il est malade, ce mec, malade. Oh, je commence à avoir chaud. On fait une blague, on rigole sur les feux d'artifice et le mec, il me tape, quoi. Sans de l'argent, Ashley, si vous soignez, vous en mettez un par terre. C'est pas une blague de dire à quelqu'un qu'il est con, hein, calme-toi, Raon. Ah bah, si il est con, c'est qu'il est con, effectivement. Je l'excuserai, mais c'est très. Oula. Ashley, je suis dans Oh non. Oh là 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 là. Je cherchais une scie. Oh là là là. Oh là, pourquoi il se vide de son sang? Mais c'est pas que du sang, hein. Ah non, y'a pas que du sang. Monsieur, là. Oh là là, monsieur, il est complètement vidé, le cognon. Ok, oui, bah attendez. Allez, médecin, sauvez-le, c'est pas grave, mes couilles attendront. Mais monsieur, c'est avec nous là. Eh ben dis donc, ça, si ça, c'est pas de la belle lopette. 6 months later. Ah, bah tu es debout. Oui, bah du coup, je repasserai peut-être plus tard, moi, pour mes brûlures. Ouais. J'étais déjà là en attente de vous, parce que c'est moi qui me suis fait tirer dessus tout à l'heure. Et j'aimerais en profiter, tant que vous êtes là, pour vous parler un petit peu de ce que l'autre émergumène m'a fait pendant qu'on était en salle d'attente. Ouais, le chauffeur de taxi, là-bas, là. Attendez. Mexicanos de ses morts, là. Oh là là, ce monsieur, il serait pas un peu raciste, là? Sautez un coup, monsieur. Pas raciste, moi, sauf que je me suis fait agresser, donc voilà. Quoi, qui a agressé qui? Ouais, je suis pas en train de vous parler là, je suis en train de m'adresser au. Bah non, mais vous me pointez du doigt, vous dites Mexicanos de ses morts, donc à un moment j'écoute, hein, excusez-moi. Eh bah écoutez si vous voulez, mais. Bah écoutez sans parler, tout à fait. Merci. Continue. Okay. Vu que monsieur ici est présent, je vais commencer par la partie attaque par cet homme. Et il y a des caméras de surveillance, hein, on me l'a confirmé par les agents, les médecins de l'hôpital. Hein. J'étais assis là sur cette chaise, là, juste là. Et. On était en train de rigoler parce que ils se sont fait exploser avec des feux d'artifice, la bande qui a là-bas là.
Donc bah voilà, on rigolait parce que c'est drôle quand t'as trois adultes qui se font cramer le cul par des feux d'artifice. Bon, ça fait sourire forcément. Et cet homme là, celui-là là, que vous pourrez facilement reconnaître sur les enregistrements, il est arrivé, il est directement venu me tataner alors que j'étais assis sur le fauteuil. Sauf que le problème c'est que vu que je m'étais déjà fait tirer dessus dans la matinée, que j'étais mal en point, bah je suis tombé dans les vapes et mes poings ils se sont réouverts là, mes poings de suture là, derrière, soit qu'il y a la tache de sang. Voilà, et tout ça à cause de ces énergumènes là qui supporte pas une vanne. Monsieur, vous permettez ? Allez-y, à vous. C'est quand même rigolo qu'un mec qui tombe dans le coma se souvienne de tout ce qui se passe avant, et c'est encore plus rigolo que dans tous les gens qu'il y a dans cet hôpital, il n'y en a pas un qui m'ait vu frapper cet homme. Vous trouvez pas que c'est un peu gros que Iggy Pop il vous raconte une histoire qui l'arrange bien là ? Moi je m'en fous, il y a des caméras de surveillance. Ouais, bah si vous voulez. Juste là-bas, là. Une belle caméra. Bah, vérifiez les vidéos, vous aurez la vérité, mais là, il vous raconte que des conneries. Hein. Moi j'étais là, je buvais de l'eau, je vous ai dit, il est tombé comme une merde, il s'est chié dessus avec son sang, et c'est lui la grosse victime dans cette histoire. Moi j'ai pas touché qui que ce soit, on l'a pas touché. Oh. Je laisse son nom. Je vais vérifier. D'accord, très bien. Mon nom c'est Freddy Bell. Ouais. Ceci, la vérité sera vite établie. Est-ce que vous avez besoin de plus de choses sur ce cas où je peux vous parler de ce qui me retient ici depuis 1h30, c'est-à-dire les tirs? Ouais, je vais prendre pour les tirs. 06, point identité des personnes présentes. Venez avec moi, monsieur. Après, monsieur avec la chemise Et pour avoir mon carte d'identité. Bien sûr. Je prends une petite photo. Okay. Eh bah dis donc. Tenez. Quelle soirée. Et voilà. Et bah je vais aller me coucher. Hein. Monsieur. Oui. Oui. Je peux avoir votre carte d'identité. Salut, Jalali. Qu'est-ce qui se passe? Viens. L'enculé de Clodo de Bellamy, là. Ce gros cogneau de Bellamy, il était posé là. On parlait, nous, de notre côté, des feux d'artifice. Il a commencé à dire, vous êtes des cons, machin et tout. J'ai dit, qu'est-ce que t'as? Toi, t'es un problème, traité de con. Il m'a pris de l'eau, je lui ai collé une benne. Il est tombé comme une merde au sol. Il s'est mis à saigner comme une pute. Et là, il raconte tout à la police. C'est Ivo des putas. Et du coup, t'as la police, tu vas aller te faire engueuler? Bah non, la police, je sais pas, ils l'ont écouté, mais il dit n'importe quoi. Il est complètement fou ce monsieur. D'accord. Voilà, et toi, ça va ou quoi? Bah, apparemment, j'ai pris des médicaments pendant que j'étais sous médicaments. Ah, oh là là. Il m'a dit que je disais bonbon, et j'ai pris 30 gélules de je sais pas quoi d'ailleurs, et ils m'ont fait un lavement de l'estomac. J'ai très très faim. Oh là. Tu veux un sandwich, Jerry? Ah, si tu en as là tout de suite, là, je veux bien parce que. Attends, je te donne ça. J'ouvre mon sac et je te donne ça. Vous me trouvez pas un peu pâle? D'ailleurs, plus qu'au d'habitude. Excusez-moi. T'es jeune, mais... Ah non, pas du tout, c'est pourtant. Tu pourrais faire ça. Excusez-moi, moi aussi j'ai très très mal aux couilles. Hein. Je vous le dis, j'attends, mais j'ai très très mal. J'arrive. Venez. Ah bah, y'a John. Ah non, mais. Oh là, je peux attendre. Ça va. Non, j'attends en salle d'attente, monsieur Dwyer. C'est tout bon, tout va bien. Bah, c'est nickel alors. Bah, ouais, je vous souhaite. Ça va beaucoup mieux. Pouh, je vous souhaite un bon rétablissement. Je vais beaucoup mieux. Non, ça va, je vous dis, je vais attendre. Tiens, il tient les comptes, ça, t'as pas besoin d'attendre si vous allez bien, monsieur. Je vais me faire soigner, mais allez terminer vos rendez-vous, monsieur Odoya. Bah, j'ai plus rien à faire, moi, je suis. Mais si, il y avait le monsieur à la grande queue de cheval. Il voulait vous parler de son petit-fils qui avait, je sais plus. Allez le voir, monsieur Odoya. Rien du tout, monsieur Emmanuel. Je vous jure que si, monsieur. Bon, ok, allons-y, j'ai une petite douleur au coude. Allez-y, suivez-moi. Oh, putain, cogno de merde. Tu pourrais me déposer à l'aéroport? Qu'est-ce qui se passe? Mais je prends mon avion demain matin, moi. Ah ouais, putain, vite. Ah ouais, tu prends ta voiture? Bah oui. Ok, bah oui, putain, cogno. C'est vrai que tu pars? Bah oui. Eh oui, je m'en vais demain. Allez, vamos. Écoute-moi, je serai pas là pendant 10 jours. Tu pourrais me tenir au courant par email? Bah oui, pas de soucis. Pour tout ce que tu découvres. Bon, bah écoute. Bon, allez, d'accord. À plus. Et tu fais pas de conneries. Ça m'a fait plaisir, Jalali. Franchement, depuis qu'on est arrivé ici, c'est la première fois qu'on se sépare. Fais attention à toi, fais pas le con avec Galagan. Il est gentil, mais il est pas très stable dans sa tête. Et n'oublie jamais. Casse-toi, j'ai envie de t'embrasser, par. Attends, n'oublie jamais. Attends! Tu resteras toujours comme un frère pour moi. Voilà, merci. Arrête, c'est bon, j'ai compris. Fils de pute! Fils de pute! Aïe, sacré cogno de Jalali Mokhtar, diolo de puta. 10 jours de vacances. Je peux pas aller au Mexique parce que là-bas il y a les gens qui vont payer pour la cargaison qui vont vouloir me tuer. Et du coup, c'est en France que je vais. Au revoir, Los Santos. À bientôt. Je t'aime. Tu veux une belle ville. Ciao.